C'est par un tweet que Jean-Noël Guérini annonce sa décision. Un message envoyé hier, peu avant 20h30. Après 47 ans de militantisme au PS, j'ai décidé ce soir de le quitter. Je continue mon combat au service des habitants des Bouches-du-Rhône. Le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône a donc décidé, avant que le PS ne décide pour lui, car le parti devait statuer demain et l'exclure. Jean-Noël Guérini, l'un des hommes les plus controversés du Parti socialiste, 3 mises en examen. 2 dans le cadre de marchés publics présumés frauduleux et 1 pour des détournements de fonds lors d'un licenciement présumé abusif. 3 dossiers de trop pour le Parti socialiste qui songe à son exclusion depuis la fin du mois de janvier. Son départ, donc, c'est un soulagement pour le Parti socialiste local. C'est une occasion pour le Parti socialiste à Marseille de se reconstruire dans la sérénité. Nous avons la volonté de reconstruire notre organisation politique et je crois que c'est un bon moyen de le faire désormais. Dans une lettre postée sur son blog, Jean-Noël Guérini en profite aussi pour étriller le PS, un parti qui, selon lui, n'a eu cesse de l'attaquer et le déshonorer pendant 4 ans, et dans lequel il dit ne plus se reconnaître.